Mesdames, Messieurs de la presse, l'évolution de l'État détermine le comportement de l'homme politique en fonction des dispositions constitutionnelles de gouvernance et de sa perception individuelle de l'intérêt majeur et structurel des populations. La démocratie constitutionnelle consacre la coexistence de plusieurs courants de pensée et de partis appelés à agir ensemble dans une synergie nationale pour le plus grand bien de nos populations à travers les institutions de la République. La conscience des intérêts majeurs et structurels de nos populations résulte de mon séjour fréquent et régulier dans ma contrée de Boumba, au contact intime des réalités quotidiennes et inédites. Le développement du pays et l'épanouissement de nos populations établissent que leur intérêt majeur, et bien compris, réside dans le programme du développement du pays à partir de 145 territoires. En réalité, une version économique et managériale de la décentralisation politique. Cette conviction profonde m'amène aujourd'hui à opter à œuvrer avec le chef de l'État dans ce cadre et partant à intégrer la mouvance présidentielle à travers la structure qu'il a mise en place, l'Union sacrée de la nation. Dans cet ordre d'idées, l'opinion sera bientôt fixée sur notre adhésion à un regroupement de l'Union sacrée. Telle est mon approche pour contribuer à la cohésion nationale et au leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la conduite de l'action de développement de notre pays. Puisque le développement du pays et l'épanouissement des populations sont conditionnés par la paix, nous allons résolument œuvrer sous l'éminente direction du chef de l'État pour l'effectivité de son leadership par la conquête de nos territoires occupés par les agresseurs. Cette corrélation conduit à transformer une exigence logique en une causalité par la nécessité des faits. Tel est le fondement de la priorité absolue de l'intégrité du territoire par rapport aux élections, au point de tenir le processus en état, sans pour autant renier notre foi inébranlable en la démocratie en tant que valeur fondatrice de gouvernance dans notre pays. Dans ce contexte, la cohésion nationale et la synergie d'action de tous les acteurs politiques s'imposent comme condition sine qua non pour la survie de l'État et pour que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue de façon intelligible et sans discordance dans une belle production symphonique grâce à une coexistence plurielle et démocratique telle que reconnue par la Constitution et symbolisée par le chef de l'État. Cette harmonie sur le fond d'une synergie d'action permettra au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'évoluer aisément dans tous les cercles où l'intégrité de la République démocratique du Congo l'amènera à siéger et à la République démocratique du Congo de retrouver sa dignité pour jouer efficacement son rôle de gâchette dans le concert des nations africaines. Cette gâchette n'est évidemment pas dirigée contre les autres continents ou un État quelconque, mais elle est plutôt un élément déclencheur et d'entraînement de sa vocation dans le rendez-vous du donner et du recevoir universel. Et ce, sans complexe aucun. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, ainsi prend fin la communication de ce jour et je tiens à vous remercier pour votre aimable attention. Cette conférence de presse parce que ça fait un bout de temps qu'on ne vous entendait pas. Peut-être moi, peut-être les autres vous entendaient, mais moi personnellement non. Vous aviez une couleur
tous un temps récent avec les régimes du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous parlez de votre intégration ou l'intégration de votre parti CDR dans l'Union Sacrée. Dites-nous, c'est pour besoin électoraliste que vous changez de position aujourd'hui pour pouvoir espérer se retrouver dans le nouveau régime quand il y aura élection pour le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi? C'est ça la question. Merci. Le monde est ainsi organisé. On ne peut reprocher à personne de vivre d'après son fuseau horaire. De plus, vous êtes des lecteurs assidus de la Bible, j'imagine. Le Christ n'a pas eu de déconsidération vis-à-vis de l'ouvrier de la 13e heure. Donc, ceux qui ont travaillé 12 heures et celui qui est arrivé à la 13e heure ont la même considération et même le prix en l'occurrence. Enfin, pour retomber sur la réalité congolaise, le président de la République, pour des raisons d'intérêt majeur et national, a appelé tous les acteurs politiques à la cohésion autour de son leadership pour bouter dehors les agresseurs et faire entendre la seule voix de la République qui compte dans l'action diplomatique et dans la conduite de la guerre. En ce qui concerne votre préoccupation électoraliste, je crois qu'en l'occurrence, c'est mon élection qui va donner une plus grande légitimité au président Tshisekedi. Donc, je participe plutôt à son œuvre et à sa victoire présumée, plutôt que le contraire. Et donc, je pense que, en résumé, mettons-nous dans un cadre nationaliste, nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes, le pays est en danger, le chef de l'État a lancé un appel, eh bien, il nous appartient de répondre à cet appel, chacun d'après son fuseau horaire, mais en fonction des intérêts majeurs du pays et surtout de l'efficacité de l'action diplomatique et militaire du chef de l'État. Monsieur Alain Atundu, vous venez de nous dire que vous avez fait le choix d'adhérer à l'Union Sacrée au moment où l'opposition congolaise démontre que toutes les lignes sont rouges et le régime Tshisekedi a échoué. Pourquoi accepter d'aller dans l'Union Sacrée? C'est parce que vous voulez sauver les bateaux qui s'éloignent déjà ou parce que vous voulez vous protéger contre peut-être la justice, parce que les autres pensent que ceux qui ont géré se protègent de l'Union Sacrée? Personne n'a dit que le président Tshisekedi avait échoué. Même si le principe de réalité nous amène à reconnaître qu'il y a beaucoup de difficultés dans le pays, il n'a pas abdiqué devant ses responsabilités. Et nous, tous les acteurs politiques, de par notre constitution, chacun doit contribuer à la réussite de sa mission qui participe du bonheur du peuple congolais. Nous n'avons aucun intérêt que le président Tshisekedi échoue pour espérer qu'à l'avènement d'un autre, le pays ira mieux. Il faut que chacun fasse ce qu'il peut et tous ses compatriotes qui l'ont choisi, c'est-à-dire à partir du moment où il a été élu par la plus grande majorité, il est maintenant le représentant authentique de tous. Il a acquis le droit d'agir, de penser et pour nous, nous devons contribuer chacun à sa façon. Les uns par des critiques, les autres par des propositions, mais l'essentiel est que le Congo continue à aller de l'avant. Parce que notre combat n'est pas interne, notre combat est d'abord africain. Je vous ai rappelé l'expression
de gâchette de l'Afrique, de France Fanon, eh bien, c'est une mission et une vocation qui a des exigences. Nous devons remplir cette exigence d'abord par la cohésion nationale, qui n'est pas l'unanimité, par la cohésion nationale, par l'intégrité du territoire, pour que notre présence déclenche sur le plan culturel, sur le plan politique, économique et même militaire, un respect de notre pays pour contribuer à la dignité de l'Afrique.